Rebonjour à tous, ici c'est Barcilou qui est de retour pour la suite de Limbo. Donc j'avais laissé un peu en suspens ce jeu, bien pour cause de Mafia 2. J'ai voulu poster davantage de vidéos de Mafia 2 pour faire avancer pour faire avancer les postages, vu qu'on arrive un peu au terme de ce jeu. Donc je crois que je me suis arrêté donc au chapitre 14. Chapitre 14. Donc partie 23 sur 28. Donc il ne me reste plus beaucoup de vidéos à poster avant le chapitre 15. Qui sera pour moi la finale. Donc non pas que je vais arrêter les vidéos de Mafia 2. Il y a beaucoup d'autres choses à faire. Donc visiter l'autre partie d'Empire Bay que je n'ai pas encore vue de mes propres yeux. Voilà, donc on va continuer. Donc ces petits casse-têtes. Donc on est-tu arrivé? Ah oui. Donc on a terminé avec le train de l'angoisse. Donc non sans peine. Les décors, bon, là quand on va progresser, les décors vont bouger. Et il y a une pierre qui roule. Pierre qui roule n'amasse pas mousse, comme dit le proverbe. Donc allez, je vais me précipiter. Donc j'ai un peu oublié les commandes pour tout vous dire. Donc de toute façon les commandes c'est pas sorcier. Hein. Donc on va activer la machine. On est plongé dans le noir. On va grimper. Où est-ce qu'on est? Ah merde, voilà, trop tard. Et voilà. La grosse pierre va m'écrabouiller. Donc je suis tombé dans le trou et je n'ai pas pu me grimper sur l'échelle. Donc il faut. Faudra s'y prendre autrement. C'est reparti pour une deuxième fois. Donc, cette fois-ci, on est plongé totalement dans les ténèbres. Non pas que ce jeu regorge de couleurs en temps normal, mais là, c'est pas mal quand même. Merde, je fais la même erreur. Donc si vous ne le savez pas, je peux vous le dire, ça sera rappelé dans le titre de la vidéo, mais c'était un walkthrough. Donc ça veut dire que j'ai déjà progressé dans le jeu, donc je ne l'ai pas terminé. Hein. Mais cette partie, je la connais. Bon, ça fait un petit peu un bail que je n'ai pas rejoué, mais je crois que je vais m'en souvenir. Ok, donc c'est électrifié. Ah oui, d'accord. Bon. Le point de sauvegarde est ici. Thank you.
décor se tourne suffisamment pour pouvoir grimper à l'échelle. C'est parfait. Donc sur la plateforme en haut, c'est pas la peine d'y aller. Faut d'abord aller en dessous. Cette caisse. Va nous servir à descendre au rez-de-chaussée, si je puis dire. Donc, vu qu'on ne peut pas grimper pour poursuivre notre chemin là-haut, on va être obligé de descendre. Donc, cette caisse, on va la balancer en bas. Voilà. Ok. Et voilà. Première nouveauté des mitraillettes à visée laser. C'est-à-dire que on déclenche la mitraillette quand on coupe le faisceau laser. Donc voilà, on va grimper. Donc pour aller à droite, on sera obligé de couper le rayon laser de la mitrailleuse horizontale. Donc pour que cette mitrailleuse n'existe plus, on va faire en sorte que la mitrailleuse verticale détruise la mitrailleuse horizontale. Donc on va couper le faisceau. Voilà, c'est parfait. C'est parfait. On progresse toujours. Ah. Une autre énigme. Donc il y a deux caisses en bas, donc on ne peut pas accéder au premier étage par l'échelle, vu qu'on est trop petit, qu'on n'a pas assez on n'est pas assez grand, hein. Donc à l'aide de caisses, on va devoir grimper, mais ces caisses, pour notre malheur, sont situées dans une crevasse, une sorte de rampe. Une crevasse. Et pour les faire. Pour les accéder ici. Donc pour les déplacer jusqu'ici, jusqu'à l'endroit du.
de l'enfant, il faudra actionner un bouton poussoir qui se trouve là et qui va inverser la gravité. Une nouveauté encore. Voilà. Qui inverse la gravité. Malheureusement, ça retombe. Attendez que je me souvienne bien de ce qu'il faut faire. Ah voilà. Tout l'art et la manière, c'est de actionner le bouton poussoir. Voilà, oui c'est ça. Pour amener une des caisses en haut. Donc la deuxième caisse, bon, va aller en haut, mais il faut en même temps que qu'elle nous transporte en même temps que l'antigravité, voilà ici, donc on faut elle est sur la caisse. Bon, allez. On va essayer. On va la mettre là. Il y a une légère déclivité qui va permettre à la caisse de tomber doucement, ce qui va nous laisser le temps de grimper sur la caisse. Et vous allez voir, ça va aller tout seul. Allez hop. Et on pousse, et voilà. C'est tout simple. Mais encore, fallait-il y avoir pensé. Donc je fais le malin devant vous comme ça, mais c'est vrai que derrière tout ça, j'ai vraiment eu du mal à passer ce passage. Le temps de comprendre l'astuce. Comme quoi, il y a toujours, on voit pas l'envers du décor, mais il y a toujours un travail en amont pour tout travail. Ça peut paraître facile. Voilà, on a grimpé. Ok, donc on a déclenché une échelle. Une échelle qui me sert à quoi cette échelle? Il y a un portail en haut là. Comment le déclencher? Ah oui, ça y est, ça me revient. Il faudra inverser la gravité, mais comme le bouton est en bas, hein, l'échelle va nous permettre d'y accéder. Ok, j'ai compris. J'ai compris, mais attendez, où est-ce qu'elle est l'autre caisse? Elle est là. Attendez que je m'en souvienne. C'est un peu confus dans ma tête. Là, je n'ai plus de souvenir de ce qu'il faut faire. Donc, c'est sûr qu'il faut actionner le bouton pour inverser la gravité. Mais après. Il faut que les deux caisses soient au premier étage.